Et salut tout le monde, c'est Sky, et on se retrouve dans ce nouvel épisode de Tombi 2. Alors j'ai pas fait le 1 parce que le 1 je l'ai jamais joué, on va jouer au 2. Et on continue, donc on était arrivé ici à la ville minière, on allait faire des quêtes secondaires. Ça va être un épisode quêtes secondaires, donc hop. Il n'y a plus de musique parce que tout simplement elle a fini. Boule de terre. Voyons voir ce qu'il y a dedans, logiquement il y a de l'argile. Ça fera une quête secondaire de fait. On pourra faire un pot avec. C'est le but. On va faire que des quêtes secondaires là. Quasiment tout se fait à la ville minière. Quasiment tout. Donc là j'ai de l'argile. Celui qu'il fallait. Toi là. T'as besoin du charbon non? Qui a besoin du charbon en fait? C'est... Je vais juste passer par là. Non, il veut pas. Je peux pas passer là-bas. Hé, toi. C'est qui prend le charbon? Qui veut le charbon? Non, alors c'est ça. On va essayer. C'est pas l'argile puisque c'est pas bleu. Ah bah le pavé de viande. Ça dépend, est-ce qu'il y a besoin du charbon ou pas? On va voir si ça brûle ou pas. Je croyais que les cuistots avaient un four. Pourquoi avoir fait un four commun? Oh bah ça cuit! Alors pourquoi le légérium ne cuit pas? Je comprends pas. Bah écoute... On va mettre l'autre alors. Y a pas des patates à faire cuire aussi? Je comprends pas, ça marche. D'ailleurs, justement, il va falloir qu'on fasse de la cuisine. Voyons voir. Ah bah non, attends. Je l'ai pas ouvert. On peut remettre la viande dedans, lol. Bah, je peux mettre les bananes. T'es sérieux? Je peux mettre les bananes là-dedans? C'est pas une bonne idée, ça, je crois. Il y a peut-être une chance pour qu'elle ne change pas en fait les bananes. Ah si! Banane flambée. Ah c'est possible ça? Ah on va voir ça. Ben je peux mettre que le légérium impur. Hein. Et c'est peut-être justement parce qu'il est impur que je peux pas le mettre là-dedans. Comment est-ce que je peux le purifier? Il a pas changé. Ouais, c'est parce qu'il est impur. Si je le mets là-dedans, est-ce qu'il devient pur? Non. Non, ça marche pas. Alors mon gars, tu veux pas le charbon? Ouais, et toi? Ok, super, mais personne ne veut le charbon? Mais où est-ce que je vais le mettre, le charbon? Attends, je vais parler aux gens, peut-être qu'ils ont une idée. Alors, toi là. Où sont les femmes? Ouais. Ça parle que des vilains cochons. Moi, ce que je veux, c'est pas ça. Ah, là, regardez.
Au gars là-bas qui livre le charbon. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Pour passer là-bas, il faut que j'aille chez Gran. Chez Granola, pardon. Tiens, qu'est-ce que tu fous là, toi? D'accord. Oh! Non, 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 non! Attends, 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 attends. Je veux parler à Gran. À Granola, pardon. Ah, ok, d'accord. C'est juste pour ça, en fait. On peut pas tomber, vous inquiétez pas. Allez, prends ça. Ah bah en plus si je me déplace pour lui parler, ça veut dire que c'est bon. Yes! Hé. Ça me semble bon tout ça. Ah bah dis donc! Et toi? Allons voir. Tiens, là-dedans, il y a quoi? Ah bah il y a la maison de Charles. Ouh! Et un coffre! Tu cachais un coffre, mon gars! Oh! 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 Merci Charles. Grâce à toi, je suis à... Oh, presque 700 000. Mais dis donc. Mais dis donc, c'est que ça va vite ici. Au secours. À l'aide. Je suis affamé et faible. J'ai bien fait de faire flamber les bananes. Seulement 2 000. Non, mais c'est ce que j'ai eu pour la quête ou c'est ce que j'aurais pour la terminer? Bah tiens. Oh, merci. Merci. Merci 1 000 fois. J'ai déjà entendu sa voix quelque part. Merci beaucoup. Ça m'a sauvé la vie. Comme si c'était... Comme si t'allais mourir. Merci pour ton aide, Tombi. Ah bah j'ai gagné 5 000. Ah, j'ai gagné 2 000 pour trouver la quête en fait. Et là il me donne 5 000 encore. Maintenant que j'y pense, j'ai quelque chose pour toi. Yes! Allons chercher Tabby. Vite. Yes! Allons fabriquer un pot maintenant. Ah non, la cuisine! Le pot ou la cuisine? On est plus proche du pot, donc on va aller faire le pot. Tiens, voilà ton argile. Fabrique-moi le pot. Wow, voilà de l'argile. Argile. 10 000! Purée, mais ça donne beaucoup! Les 1 million, ça va être facile à faire en fait. Surtout si je fais les trois derniers cochons avec. Alors, c'est prêt. Yeah! Eh ben, je vais pas le donner au mec. Et voilà. Ça va me faire des AP supplémentaires. Je sais pas ce que c'est les AP, mais ça ressemble à des points. Tout simplement des points d'apprenti, je pense. Apprentice point, je sais pas. Tiens, je te donne mon pot. Donne-moi des AP. Oh, mon pot, je... Et 10 000! Putain, mais ça donne beaucoup! Putain, le mec, il se vante en plus, t'as raison. Avec tout ce que t'as gagné, mon gars, comme AP, on se rapproche des 1 million plus vite que prévu. La chanson du courage. Ok, d'accord. Mine de
de rien, il y a une petite partie de Zelda hein, avec les champs. Ça fait presque la Triforce, sauf que c'est avec des champs. Ok, mais j'ai un demi seulement. J'ai courage et force. Et le dernier, c'est quoi? C'est sagesse, non? C'est exactement comme la Triforce. Oh oh. Oh, c'est peut-être une référence, enfin une... je sais pas comment dire. Elles sont... enfin voilà quoi. Bref, allons voir le cuisinier. Il est temps de faire de la bonne bouffe. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment épisode de quête secondaire. On va en faire un maximum et peut-être même un combat de boss. Il y a des chances qu'on fasse un combat de boss. Allez, vas-y. Fais-moi tous les plats que tu peux. Faut que j'aille voir les panneaux. Sandwich au poisson dans la ville des pêcheurs. Si tu pleures ou tu ris, fais bouillir des patates pour faire un sandwich aux patates. Ah, parce qu'il faut que je vienne. Il faut que je vienne en pleurant ou en riant ici pour avoir ce truc là. J'ai pas envie d'aller à la forêt d'Onglin. Bon, tu me diras, je pourrais utiliser la cloche et du coup valider une quête. Au steak. Cuisine un pavé de viande au fourneau pour faire cuire un steak. Bah je l'ai. Ah bah oui, il faut que je lui donne. Il faut que je lui donne. Tiens. Bah oui, si je lui donne pas, ça va pas aller. J'ai tout ce qu'il faut. Ce n'est pas encore prêt. Dès que ce sera bien cuit, je préparerai un repas qui absorbera l'huile. Et voilà. C'est ça qu'il faut que je donne au mec du ranch Kujara. Tout en haut là. Celui avec les filles. C'est bon? Tu l'as fait? Tu veux que je te donne de la viande crue? Merde. Pavé de viande. Bah tiens, j'ai l'impression que tu veux pas ça. Ah oui, ça a l'air de fonctionner. Pourquoi j'ai fait cuite la viande alors? Vas-y. Alors, tu l'as fait ta... Mais... Que... Mais je te donne le pavé de viande, pourquoi tu me fais pas de la bouffe avec? Fais-le! Alors... Je te donne la viande cuite alors. Et là... Ce n'est pas encore prêt. Ah d'accord, c'est pas assez cuit. Faut que je fasse recuire encore une fois. Oh. Mais il est vraiment chiant ce custo. Putain, déjà qu'il a pas de four. Allez, s'il te plaît. Mais... La viande saignante, puisque je vois que la viande cuite, elle est pas encore là. Putain, faut la faire cuire deux fois. Quoi? Quoi? Ah, c'est juste le gros steak. Encore 10 000. Oh là là, c'est tellement simple. Je suis presque au million, là. Déjà ouvre-moi ça. Parce qu'en plus je vais donner ça au chef. Allez, on met la viande saignante, ça fait du gros steak. Comme ça je pourrais faire deux steaks. Un pour moi et un pour le mec huilé. Je savais pas qu'il y avait un statut huilé. Ça, je n'étais pas au courant. C'est nouveau, ça vient de sortir avec Tombi. Vous connaissez de nouvelles choses qui n'existent pas. Allons voir le cuistot. Cette fois-ci, il a intérêt à me faire le truc. Parce que du coup, j'ai deux morceaux de viande qui servent à rien. Trois même, puisque je compte pas utiliser l'autre. Bah, je vais pas me faire huiler mon corps tout le temps non plus. Hein. En plus, la viande, elle est infinie, elle réapparaît tout le temps. Là, tu me le fais, s'il te plaît.
Allez, c'est parti. Alors, Christophe, y avait goûté ta bonne cuisine. Oh, bon sandwich. Apporte-moi quelque chose de bon. Yeah, de nouveau 10 000. Allez, c'est simple. Eh ben, ça tombe bien. Ah, le poisson, peut-être que je le fasse cuire, non? On va voir. Ah merde, il faut que je le fasse fumer. Sandwich au poisson, on va voir arc. Mais comment tu veux faire fumer le poisson? Faut... Ah oui, c'est pas avec le four. Il faut le faire sur autre chose, je crois. Du coup, je vais lui donner la patate. Elle est où? Là. Il faut que je fasse cuire aussi, j'imagine. Mais c'est ça le fruit. Ok, mais attends, j'ai de l'eau chaude, je crois. Il me semble que j'ai un seau. Ah non. Ok, d'accord, il faut que j'aille chercher de l'eau chaude. Eh bien, écoutez, on va y aller. On va d'abord récupérer le coffre. Qu'est-ce que c'est? La cloche minière. Yes! Tombi, tu as trouvé la cloche minière. On dit que c'est la cloche qui peut te ramener à ton point de départ. Avec la cloche, tu es sûr de revenir à la ville minière. C'est gratuit. Après la cloche d'onglin, la cloche minière. Du coup, le sandwich aux patates qui empêche de rire et de pleurer, il faut que je donne au voyageur. Celui qui rit. Faudrait peut-être que j'en fasse... Excusez-moi. Faudrait peut-être que j'en fasse deux, du coup, parce qu'il y a forcément un voyageur pleureur, quelque part. Bah, s'il y avait le rieur, il y a forcément le pleureur. Par contre, j'aimerais récupérer ce... Vous le voyez? Il est juste en bas à gauche de mon écran. Il était. Raté. Allez, tu peux passer au-dessus! Passe au-dessus! Eh non, c'est raté. Je suis obligé d'abaisser le pont. Tiens, tant qu'à faire. Je vais essayer de mettre le grappin dessus. On va essayer de l'avoir directement, ce serait cool. Yes! Mais bon. Merde! Non! Je voulais pas le manger! Bon ben. On va utiliser la cloche minière. D'accord, c'est pareil qu'une aile. J'espère qu'il y avait une quête. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, c'est juste là où on l'a trouvé, quoi. Juste en face du cuisinier, c'est bien ça. Voyez, il a de la viande à l'infini, le gars. Alors déjà pour commencer, il faut que je leur donne un gros steak puisque du coup j'ai pu le... j'ai bouffé le truc sans faire exprès. J'ai bien fait d'en faire deux du coup. Et du coup j'ai l'eau chaude que tu demandais pour les patates. Et le poisson, il faut aller le faire fumer. Tiens, ton seau d'eau chaude. Bah, si je lui donne la patate, je pense qu'il va le détecter automatiquement.
Mais je l'ai, ton eau chaude! Mais je comprends pas. Oui, je les ai. Je te donne la patate. On va voir ce qu'il dit parce que je vois pas. Tiens, la patate. Tu la veux cuite ou pas? Ouais. Fais bouillir des patates. On va essayer le troisième four. Et vous voyez, je monte beaucoup plus vite en AP. Hein. On ira chercher le gros à la fin de l'épisode. Celui qui nous manque. Je crois que c'est là qu'il faut mettre le... Alors, les patates! Ah non, ça rentre pas. Désolé. Des équipes, le saut. C'est pour valider la quête. Tant qu'à faire, je vais faire le costume jaune. Ah oui, cache ici. Non, pas ici. Hop. Aïe. M'en fous, je continue à voler. Et ben mettons la robe jaune, elle est où? Là. Merde. Passe pas à travers. C'est quoi déjà les touches? Oh! Pour changer d'arme, c'était plus rapide comme ça. C'était R1 et L1 pour changer d'arme plus rapide. Ok, bah je le savais pas. Comment j'utilise un pouvoir? Alors là, j'en ai aucune idée. Ah, merde! Le plafond. Il y a un plafond. T'es sûr, je peux pas aller dedans? Bah les boutons L2, R2 ne fonctionnent pas. Bof. T'es sûr que je peux pas y aller? Et là? Non, ça marche pas. C'est pas en chargeant l'arme que ça ira mieux. Bon.
Aucune idée. Bon. Bah attends, mais je fais comment pour l'utiliser? Y a pas un bouton pour utiliser, non? Non! Mais il y a un plafond! Indice de l'aventurier, j'ai toujours pas fait ça. J'essaye de faire un truc! J'essaye de faire une combinaison de boutons, peut-être que c'est ça. Ah, attends, aide. Ok, d'accord. Oh merde! Bah je fais comment maintenant? Eh ben j'en ai aucune idée. Ah bah si, attends. Y a pas un... Attends. C'est vrai que je pourrais prendre le vêtement de bain pour aller nager. Y a pas un fantôme là qui veut me rendre invisible? J'ai peut-être une idée. Mais dans ce cas, il me faudra le grappin. Je me mets là. Vas-y, prends-moi. Ah merde! Ah c'est bon, si, je pensais de plus avoir le grappin. Oh putain, c'est vachement loin! Il n'y a plus les sacs! Wow, doucement. Non, non. Ouf. Et là. Bah voilà. Fallait juste être invisible. Ah, les visites sont rares ici. Ok, je vais te révéler un secret. Il y a d'autres endroits comme celui-ci accessibles uniquement quand on est invisible. Si tu es invisible, un de ces endroits comprend un objet qui peut te rendre de nouveau visible. Et voilà. Alors, je sais qu'il y avait un autre autocollant comme ça dans les ruines de Kujara, donc on va y aller avec une aile magique en étant invisible. Enfin, je pense que si on va, ouais, on va partir du sommet du ranch quand même, ça sera mieux. En espérant que ce soit là qu'il y ait le fruit qui permette de faire redevenir visible. J'en profiterai aussi pour aller casser le machin où il y a le calamar pour le donner au gars et aller parler au mec des sculptures. Et aussi donner la clé. La clé mécanique, là, le fusible que je suis censé donner. Mon Dieu, c'est horrible. On dit que je suis invisible, hein, mais on voit encore mes yeux, mes cheveux, mes mains, mes pieds. Enfin bref, je suis Rayman. Je suis Rayman! Du coup, je peux pas vous parler. Vous ne me voyez pas. Oh, une patate. Yes! Oh, chargement, il y a un truc spécial là-dedans, dis donc. Quoi? Hein? Il m'a téléporté ici? Ok.
crois qu'il y en a un d'autocollant comme ça dans les tout premiers niveaux. On va aller voir. Alors, L magique, direction la plage d'entrée. Alors, est-ce que c'était la cascade ou la ville des pêcheurs? On va voir la ville des pêcheurs. Là, on va vraiment checker le tout, quoi. Le tout, le tout, le tout, le tout. Absolument tout. Je vais absolument tout voir. Là, on va faire pas mal de quêtes et j'arrêterai quand je les aurai finies. Là, je suis invisible, faut que j'en profite pour faire tous les autocollants que j'ai vus. Jusqu'à présent, j'en ai vu. Comment il peut me voir? Là-bas, je crois. Pas que j'oublie de parler à Arc aussi. Il n'y avait pas un ici par hasard? Non, pas ici. Je crois que c'est dans les souterrains en fait qu'il y est. Il est peut-être par là en fait. Non, ici il n'y a pas d'autocollant ici. Bah là faut dire que là je peux pas porter de tenue donc je suis un peu dans la merde. Allez, ramène-toi. Allez, hop, c'est bon. Donc visiblement, c'était pas ici. Alors, voir là-bas. Il y en a peut-être un ici. On va vérifier s'il y en a un ici d'autocollant. Mais je crois qu'il n'y en a pas. Hein. C'est après les, à partir du ranch Kujara. Il y en a peut-être un au sommet du ranch en fait. Ou alors. Faut pas que j'oublie d'aller dans la porte hilarante aussi là-bas. Ah oui, on essaye vraiment de le faire à 100% si possible. Du moins, j'essaye d'avoir les groins. Les 4 groins. Pour l'instant, je peux en avoir un. Pour celui à 1 million, on repassera. On y est presque d'ailleurs. Là-bas, il n'y a pas d'autocollant. Donc, il n'y a pas d'autocollant ici. Bah alors, je sais pas. C'est pas... À la ville minière, il n'y en a pas. Donc, on va aller voir au sommet du ranch Kuja. Allons-y! C'est plus vraiment un ranch ici d'ailleurs. Bah tiens, tant qu'à faire, on va se heal. C'est gratuit! Ici, il y a peut-être un autocollant, je crois. Je peux pas prendre les items. C'était par où? Non, là-bas c'est pour aller voir un mec. Mais il n'y a pas d'autocollant ici, je crois. Non, non, je le vois pas. Wow. Ah bah oui, je les traverse. Là, c'est la cabane de je sais plus qui. Bah c'est là que j'avais trouvé le fusible en fait. Bah je traverse les bobs.
C'est bien, je peux quand même les tuer. Et je peux même pas prendre de dégâts, c'est cool! Ah merde, je peux pas le prendre! Bah attendez, on va aller voir là-bas. Cette porte, elle sert à rien. Parce que c'est forcément au fond, quelque part derrière. La forêt... Ah, la forêt donc... La forêt d'Onglin, là où on pleure et on rit. Il y a peut-être un autocollant magique ici. Je crois qu'il y en avait un. Ou même dans la... Forêt profonde. Et merde. C'était un précipice. Et je me suis... Du coup, je suis plus invisible. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va remettre le costume d'écureuil. Et on va ensuite donner le sandwich au mec. Parler à l'artisan qui fait les sculptures. Merde. Je suis en état huileux et je suis guéri de l'état huileux. Allez, salle des opérations. Tiens, est-ce qu'on peut rejouer avec les filles pour qu'elles me donnent un autre sort de force? Tiens, voilà mon sandwich. Oh, il faut que je lui donne carrément. Un peu débile quand même. Excusez-moi. Alors, il est bon? Donnez-moi 10 000 de nouveau, ce serait cool. Yeah, voyageur enduit d'huile. Les quêtes secondaires valent plus que les quêtes principales, quand même. Merci, c'est parfait. En récompense, je vais te révéler un secret. Je recherche la tour de la force. Ah, il y en a un qui cherchait la tour du courage, il y en a un autre la tour de la force. Et le dernier, c'est la tour de je sais pas quoi. Bah justement, vu que j'ai les champs, si je trouve les trois tours, eh ben, j'aurai les champs, et puis voilà, quoi. D'accord, donc il y a un secret avec trois tours. Et vous, là, on peut jouer? Non, elles ne veulent plus rien faire. Dommage. Elle m'aurait peut-être donné un autre champ de force. Alors du coup, on va aller voir le mec qui tapait. Alors ici, c'est vraiment l'endroit le plus dégueulasse. Graphiquement, c'est clair. Allez, les deux. Ah, il a un champ de force pour le protéger, l'autre. Et... Ah, mais il est toujours là, le truc. Oh, bah, c'est cool. Donne-le-moi. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Oh, d'accord, c'était juste pour dire ça. Bah alors, ta gueule, c'est juste pour dire ça. Oh, le mec. Ah oui, il faut que je donne le fusible aussi, ouais. Pas que j'oublie. On va d'abord aller là-dedans, dans la hutte du sculpteur. Alors, il a... Ah, bah voilà, il a fini. Ça, c'est pour le temple de l'eau, ça. Et voilà, l'ultime sculpture pour 10 000 points. Ah, mais c'est facile tout ça. C'est gratuit. Je peux la prendre? Allez, je peux la prendre. Je crois qu'on en fait un peu trop. D'accord, donc au final, il veut pas. Bon, bah, il me la donne pas, alors. Bah, ça m'aurait fait une quête de plus, et je l'aurais juste exposé sur un autre piédestal, et puis... Des points gratuits, quoi. C'est des points. On va aller voir le collectionneur. Peut-être que j'ai un truc qu'il recherche, en plus, dans mon inventaire. Parce que là, j'en ai aucune idée, hein.
Parce que là, j'ai la pieuvre, mais c'est tout. Enfin, le calamar. Peut-être que j'en ai un autre qui recherche, j'en sais rien. Voilà, donc là, j'ai le calamar. Alors, collectionneur. T'en as pas un autre que je peux te donner, non? Ah bah non. Ok, bah je sais pas. Ah mais peut-être le doryphore. Bah non. Ce sont des espèces sous-marines uniquement. Bon. Bah on verra bien. Allons donner le fusible. On va peut-être essayer la vrille des Kujara, non? Non mais attends, le fusible! Non! Ah si, peut-être qu'après ça. Pour débloquer d'autres niveaux. Saute, je sais pas, fais un truc. Non! Putain, mais ils sont chiants! Putain, je perds trop de temps avec cette connerie! Purée! Grouille, grouille! On va commencer par celui qui essaie de se barrer en premier. Ah non! Trop tard! J'aurais pas dû mettre le costume d'écureuil parce que je descends trop lentement. Une minute pour encore 4 trucs quand même. Bon, lui il est plus simple. Parce que lui il est déjà devant. Ceux de derrière vont être plus durs. Notamment le dernier. Au pire, je peux commencer par le dernier tout de suite, mais il n'y a qu'une seule échelle. Bon, lui, il est simple. Ah, si, j'ai peut-être une chance. Évidemment. Pas qu'il change de musique, ce serait complètement con. Saute, 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 fais un truc. Ouah. Vite. C'est bon, je l'ai eu. Parce que l'autre, il faut que je le jette d'abord. C'est le plus long. Monte! Ça c'est obligé. Putain, il serait tellement mort dans la vraie vie. Allez. Yes! Allez, je te donne le gros fusible maintenant. Bah écoute, ça me fait une quête supplémentaire, non? Bah, je sais pas. Alors, j'ai fait une quête, que je puisse te donner le fusible avec. Non, mais non, encore une fois. Hé, j'espère que c'est le dernier. Je vois que le fusible est gris quand même. Tiens, bouffe! Allez, vous n'échapperez pas au bain! Putain, on pourrait faire ça avec des Pokémon, ce serait tellement mieux. Non, il s'est fermé le truc! Lâche cette échelle! Oh, tout doux, tout juste! Putain, pour descendre, il met du temps. Mais c'est normal. Costume d'écureuil. Oh bah, on va commencer par toi, vu que t'es là. Hein. Oh, presque! Mais bon.
Plus que deux. En une minute, je pense que les deux là, je peux me les faire. Bon, par contre, j'espère qu'elle va pas me demander de recommencer parce que bon. J'ai pas que ça à faire non plus. Oh, il était fermé le truc! Saute! Saute! Loupé. Je peux pas le garder je peux pas le garder indéfiniment en fait. Oui! Yes! Désolé pour ce petit cri, mais. Oui! Plus qu'un! J'espère que ça suffira pour la dame. Sinon, je refuse le prochain. Voilà, déjà ça. Tire à nulle part. Voilà, j'ai cru que j'allais le rater. Mais bon, c'est fait. Et voilà. C'est bon maintenant, on peut arrêter là. Comme nous, tu fais partie des grands maintenant, bravo. Tiens, c'est pour toi. Ah, ok, d'accord, il fallait faire trois fois ça. Ok. C'est de l'huile Toradako. Ah bah tiens, je crois que j'en ai besoin pour quelque chose en plus, pour une quête. Détachant. Ah bah c'est là que justement il faut changer le fusible. Ah bah oui, je me disais aussi. Je l'ai. Tiens. Vas-y. Et voilà. C'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Je peux me barrer. Putain, je suis à combien en AP? Oh purée, ça avance tellement vite. Ah, il m'en manque 200... Un petit peu moins de 220 000. Par contre, je cherche toujours les autocollants invisibles. Il y a quoi là-bas déjà? Oui, la porte... Il n'y avait pas une porte pleureuse ou quelque chose? Une porte triste? Si. Faudrait que j'aille voir là-dedans, vu qu'il y a une porte triste. Bah, ça tombe bien, on est à côté de la jungle en plus. Bah, au pire, je peux utiliser la cloche, hein, ça va plus vite. Hein. On va utiliser la cloche. Cloche d'onglin, c'est parti. Et je pense qu'on va s'arrêter là d'ailleurs. Donc on va faire un troisième épisode de quête secondaire parce qu'il faut absolument que je les fasse pour récupérer le dernier groin. Donc l'avant-dernier groin, on va le récupérer dans le prochain épisode. Et petite dernière chose, on va aller voir ce qu'il y a là-dessous. Maintenant que je peux aller dans l'eau. D'ailleurs, en parlant de ça, temple de l'eau, faut que je récupère ça. On va aller là-dedans. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? La porte du boss! Eh ben écoutez, ça sera dans le prochain épisode, le boss! Ah, ben c'est bien, on commencera par un combat de boss. Eh ben écoutez, déjà, je vais remettre le... Curail. Et est-ce que j'avais dit que c'était des screamers? Non, c'est juste parce que quand j'étais petit, ça m'avait surpris, c'est tout. Non, il n'y a pas de screamer. C'est juste que... On sait pas où elle est, en fait. Et bah ok, du coup, on va se retrouver dans le prochain épisode. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous en voulez encore plus. Et moi, je vous dis... À la prochaine pour un nouvel épisode de Tombi 2, le let's play de mon enfance. Bye tout le monde!